à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. On commence avec l'équipe qui espère que Lyon va les faire rêver ce soir en Ligue Europa. Après une défaite 4-1 au match aller, les Lyonnais espèrent renverser la vapeur face à l'Ajax Amsterdam ce soir. Tous les espoirs sont permis. En Espagne, c'est forcément le derby madrilène qui fait la une. Hier soir, l'Atlético recevait le Real de Madrid pour la demi-finale retour en Ligue des Champions. Malgré leur victoire 2-1 à domicile, les Colchoneros sont éliminés. Évidemment, à cause du match aller terrible avec une défaite 3-0. Pourtant, les hommes de Diego Simeone y ont cru avec deux buts très rapides en première mi-temps. Malheureusement, Karim Benzema a éteint tout espoir. Il fait d'ailleurs la une de Marca. Grâce à cela, le Real va à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions. Dilemme, quel joueur doit choisir le Barça entre Rafinha et André Gomes? C'est la question que se pose ce matin le Mundo Deportivo. Le Brésilien souhaite plus de temps de jeu par rapport à la Coupe du Monde qui arrive. Mais plus de temps de jeu pour Rafinha signifie moins de temps de jeu pour André Gomes, qui après une première saison en dents de scie avec le Barça, pourrait partir en Première Ligue ou même à la Juventus. Encore un nouveau dossier pour le Barça, l'été va être très chaud. Le quotidien Sport parle d'un autre dossier pour le club Blaugrana, mais celui-là avance bien. C'est évidemment le cas Coutinho. Le joueur aurait été accepté par le vestiaire catalan. Le Brésilien est plus proche que jamais du FC Barcelone. En Angleterre, il est possible de voir une légende quitter son club cet été. C'est évidemment Wayne Rooney, qui fait la une de tous les journaux, notamment du Metro Sport. La problématique est simple. Il veut rester à Manchester United, mais il veut plus de temps de jeu. Il aurait déjà prévenu son entraîneur, José Mourinho. Autre dossier transfert en Angleterre avec les Gunners. Le club, qui s'est imposé 2-0 hier face à Southampton, voudrait Thomas Lemar pour 25 millions de livres, soit 30 millions d'euros. La dernière information se trouve en Italie. Elle concerne l'Inter de Milan et sa révolution. Walter Sabatini, coordinateur technique du groupe chinois propriétaire de l'Inter, Suning Sports, veut pour l'année prochaine Conte, Rudiger ou encore Nainggolan. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.